Brandon ne voudra jamais me croire. Mais comment croire une chose aussi invraisemblable? Elle doit regarder la vérité en face. Elle l'a épousé. Par sens du devoir, tu ne crois pas? Margie? Margie est mon amie, bien sûr. Mais comment puis-je lui demander de s'impliquer dans une histoire aussi sordide, alors que Margie ne connaît que des problèmes de manucure? Et de quel droit puis-je faire appel à une telle preuve d'amitié, alors que son amour pour Brandon est plus fort que tout? Sans compter que Brenda se fera un malin plaisir pour m'enfoncer aux yeux des autres. Jamais. Vous avez problème avec quelqu'un, c'est à la porte que vous venez frapper. Et c'est à moi que vous en prenez. Je vous préviens, vous vous approchez de mon mari, je vous promets. Quoi? Vous m'insulterez en direct sur une chaîne de télé? Vous n'avez plus aucun atout pour m'intimider. N'en soyez pas si sûre, ma pauvre. Vous ne représentez rien pour lui. Tout juste quelques moments de plaisir. Faites attention, je vous surveille. Elle a découvert. Quelqu'un lui a dit. Écoute, ma chérie. Personne ne peut t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Je savais que ce jour arriverait. Alors pourquoi ne m'y suis-je pas préparée? Je ne sais pas. Peut-être que tu pensais qu'avec le temps, les choses seraient différentes? Oui. Tu as raison. J'espérais qu'un jour, on formerait une véritable famille. Avec de vrais sentiments. Ce que j'apprécie chez toi, Stephen, c'est ta franchise. Tu es spontané. Tu dis exactement ce que tu ressens. Peut-être que tu as raison. Peut-être que Bruce n'est pas quelqu'un fait pour moi. Mais si ça devait être le cas, j'aimerais le découvrir par moi-même. Il s'agit de mon histoire. Et ça ne regarde que moi. Ce qui veut dire, ferme-la, Stéphane? Oui, quelque chose comme ça. Très bien, je vois. Alors, dans ce cas, concentrons-nous sur la magie de cette magnifique soirée. Ah oui, et cette maison est un pur enchantement. Fais-moi confiance. Je veux notre bonheur, c'est tout. Crois-moi, Bruce. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je t'aime aussi, mais cette histoire avec Stephen est un véritable cauchemar. Je suis désolée. Pas assez pour me dire la vérité et cesser de me mentir. Ah, je ne supporte pas d'être comme ça. D'avoir perdu confiance en toi? C'est ça. Je vais te dire, il n'y est pour rien le pauvre. Ce petit bébé qui dort tranquillement, je ne suis pas le père de cet enfant. Enfin, biologiquement. Mais Brandon, mais c'est terrible ce que tu dis. Tu te fais du mal. Après tout, tu te fais peut-être des idées. Non, mais c'est pas ça le plus difficile. Ce qui me tue, c'est ce Marc. Vous êtes sans cesse en train de fouiller dans le passé de Marc. Et si ça se trouve, vous allez finir par découvrir qui est le vrai père de Lee John Bob.